this power. I have speed into the rhythm of a love song. I've never felt this before. J'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, je suis arrivée à Paris. C'est trop bien. Regardez la chambre. Elle est nickel. J'ai pas trop galéré pour venir. Je suis trop contente. Je suis arrivée à l'hôtel. Le maître d'hôtel m'a monté jusqu'à ma chambre. Il est vraiment super sympa. C'est l'hôtel Terre-Neuve à Paris. Et franchement, c'est super propre. La chambre n'est pas grande, mais il y a tout ce qu'il faut. C'est impeccable. Franchement, je suis trop contente. Et en plus, il est super gentil. C'est un maître d'hôtel, mais il est super, super, super gentil. Donc voilà, je vais vous faire un petit room tour de la chambre. Et ensuite, j'attends ma copine qui va pas tarder à arriver. Voilà, Mounia de la chaîne Minimous. Vous la verrez tout à l'heure parce que je vous avais pas encore dit qui c'était. Et puis voilà, bah, je vous fais un petit room tour, tiens. Bon, je fais le room tour. Donc ici, c'est l'entrée comme ça. Je vous montre ici. Voilà, c'est super propre. J'aime beaucoup. Tout de suite, ici, dans l'entrée, il y a un miroir. Là, deux lits simples qui sont collés, mais bon, c'est quand même deux lits simples. Avec une belle fenêtre, franchement. On a la vue sur Paris, je trouve ça trop, trop joli. Voilà. La chambre est très, très, très éclairée, c'est génial. Voilà, ici il y a un petit évier, hein, je suppose pour se laver les mains, choses comme ça. En bas, vous avez un mini combi-bar. Et ici, c'est les toilettes. Voilà. Je vais l'allumer quand même, ce sera mieux. Voilà, avec un petit lavabo. Regardez comment c'est propre. C'est super. Voilà. Les toilettes, les serviettes. Franchement, c'est cool, hein. Et la douche. C'est impeccable. Voilà. Donc je suis contente. Voilà, j'ai bien choisi. Je me suis pas trompée. Je savais que c'était pas très grand, mais bon, pour une nuit, ça suffit largement. Puis il y a la télé avec un petit bureau ici et une chaise. Écoutez, on est arrivé, on est devant le musée des arts forains. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, je suis avec Minimous qui est juste là-bas, là, mon doigt, et Justine de Justine Family. Voilà, donc on va rentrer et on va découvrir tout ça. Ouh là là, c'est magnifique, j'aime trop. C'est la première fois que je viens ici. Hein. Donc là, c'est l'entrée. Voilà. Alors, je vous présente Justine, de Justine Family. Et je vous présente Mounia, la chaîne Mounimous. Voilà.
Maintenant, nous sommes le soir, il doit être à peu près 20h. On est rentré à la chambre, à l'hôtel. Et en fait, on est en train de laisser reposer nos pieds parce qu'on n'en peut plus. On a fait que piétiner toute la journée, c'est horrible. Donc là, je suis avec Mounian Minimousse et avec Amel... Mademoiselle Soriane. Voilà, c'est ça. Enfin, ce qu'on voit de Mounia. Ma touffe. Ouais. Bref, donc là, on s'est préparé, on s'est un petit peu changé, rafraîchi du moins. Et on va prendre soit un taxi, soit le métro, on ne sait pas encore. Pour aller donc à la soirée, ça va être très très cool. Mmh. Hein, c'est mieux comme ça. Bon, écoute, je vous fais confiance. Bon, c'est le moment girly. Hein. Attention, attention. Arrête. T'es trop belle. Arrête. Elle est trop belle, Monia. On est rentré, on a fini de danser, on a fait la fête, c'était trop cool. Hein, c'était trop cool. Trop bien. On a mal aux pieds. On a mal aux pieds. Du coup, là, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment mal à la tête. J'ai déjà demandé à Monia de me donner un aspégique, c'est ça que tu m'as donné ? Oui, Efferalgan. C'est passé et là, c'est revenu. Donc, je pense qu'en fait, ça doit être la fatigue. Donc du coup, je vais me préparer, je vais me mettre en pyjama, me démaquiller, etc. Et me reposer, voilà, pour demain. Mounia repart demain à... Tôt. Assez tôt, elle prend son train à 8h40. Moi, j'ai de la chance. Je pars à 12h30, j'avais prévu le coup. Donc du coup, je vais pouvoir rester un petit peu encore à l'hôtel. Et en plus, n'oublie pas que le mec, il t'a offert le petit déj. Hein. À tout le monde. Mais tu peux peut-être déjeuner parce que c'est à 7h. Ouais, je sais pas. Je vais donc on va peut-être prendre le petit déjeuner ensemble alors. Je vais peut-être descendre non, avec elle. Non, 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 tu dormiras. Non, je descends avec toi. On en reparlera demain matin. T'es trop gentille. Je suis pas sûre que je l'aurais fait. Non, si. Après, je suis réveillée, après, je suis réveillée. Ouais, c'est clair. Alors, ça a été un peu compliqué pour vlogger aujourd'hui, clairement, je vous le dis. Parce qu'il y avait énormément de monde, les stands étaient assez rapprochés, donc du coup au niveau de visibilité ça aurait pas été terrible. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, en plus beaucoup de bruit, donc impossible de vlogger pendant que j'étais dans la salle, mais vraiment impossible, vous m'auriez pas entendu. Donc je vous ai fait passer quelques petites images, et puis comme ça, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'il y avait, mais j'ai pas pu faire plus malheureusement, voilà. De toute façon, je pense que celui-ci sera un double vlog, donc on se retrouvera demain pour le retour à la maison, tout simplement. Et puis, et bien voilà, on va conclure là-dessus. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens de finir de me préparer. Je me suis réveillée aux alentours de 7h, juste au moment où Mounia partait. Ensuite, j'ai un petit peu flâné sur mon téléphone, j'ai pris ma douche, je me suis préparée. Je me suis habillée avec le haut parce que je voulais vous montrer en fait ma tenue. Parce qu'on m'a demandé quelle était ma tenue en fait, de me voir en entier. Mais attendez, avant tout, je pense que c'est plus judicieux si je vous mets les petites talonnettes. Je sais pas si je voulais montrer en fait, je ne me rappelle plus. Bon, bref, hop, je mets mes chaussures. Hop, ça je vous montre. Je sais pas si c'est comme ça vous allez me voir. Donc, voici comment j'étais habillée. J'avais des petites bottines, comme ça. Voilà, et j'étais habillée comme ça. Voilà, voilà. Bon, faites pas attention à mes cheveux. Voilà, j'étais super bien hier. Très à l'aise. Franchement, top quoi. Bon, en tout cas, là, je suis en train de préparer toutes mes affaires. Regardez, je suis en train de faire ma valise, tout ça. Je vais certainement rencontrer une amie, une copine, juste avant de prendre mon train. J'attends qu'elle me réponde et mon téléphone a bipé plusieurs fois, donc je pense que c'est ça. Donc, je vais la rejoindre. Et puis ensuite, je vais prendre mon train pour 12h30. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous vloguer beaucoup parce que ma batterie est en train de clignoter. Il n'y a qu'une seule barre.
Donc je pense que ça va être compliqué. Sinon, concernant la journée d'hier, franchement, c'était super. J'ai adoré. J'ai fait une très très belle rencontre parce que franchement, Minimus, je l'avais déjà rencontré l'année dernière. Et on avait discuté brièvement en fait, on se connaissait pas. Et là, cette année, bah, du coup, on a partagé notre chambre ensemble, c'était trop bien. Franchement, je pense que j'ai jamais autant rigolé depuis plusieurs mois, mais des fous rires à avoir mal au ventre. On a trop trop bien rigolé. Voilà. Justine aussi, Justine de Justine Family, elle est adorable. Enfin bon, voilà, j'ai fait des super rencontres. J'ai aussi rencontré Amel. Alors, je saurais vous dire, je vous mettrai le nom de son Instagram juste ici, qui est aussi trop trop cool, très très gentil, solaire. Enfin bon, voilà, que des belles personnes. J'ai bien sûr revu Elissa de la chaîne Eliro Chanel. Hein. Trop cool, je suis trop contente pour elle. Elle nous a annoncé une belle nouvelle. Si vous ne connaissez pas encore la nouvelle, je vous invite à aller regarder ça, l'une de ses dernières vidéos, parce qu'il y en a déjà deux où elle explique un peu tout. Avec Elissa, on a pris un petit déjeuner ensemble hier matin. Et voilà, c'était bien, c'était trop cool. Je suis contente. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Moi, je vais ranger tout ça. Et soit je vous reprends après si j'ai encore un peu de batterie. Sinon, ce sera arrivé à la maison tout à l'heure. Il n'y a personne pour vous montrer un petit peu la petite salle où on peut prendre un petit déjeuner ici à l'hôtel. Je trouve ça vraiment très cool. Là, vous avez une petite machine à café. Voilà, avec quelques petites tables. Il y a des gens qui ont déjà pris le petit déjeuner qui sont partis. Moi, je me suis installée ici. J'ai pris un petit déjeuner très raisonnable avec du pain en céréales, avec du fromage dessus et une petite salade de fruits et un thé. Voilà. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour vous servir. Vous avez un peu de charcuterie, du fromage, voilà, de la confiture, du Nutella des Madeleines. Vous avez du pain aux céréales, des viennoiseries, des petits céréales muesli. Voilà. C'est très propre hein, pour information. C'est vraiment très très propre, très sympa. Alors ici, vous avez des fruits secs. Franchement, c'est complet. Hein. Alors, regarde, là vous avez des pancakes, des œufs et du bacon. Ok. Bonjour. Et ici, donc, vous avez un peu de jus avec ici des produits laitiers et du fromage. Voilà, tout grâce à ça, vraiment. Franchement, l'hôtel me plaît trop. Et d'ailleurs, je remercie quand même le maître d'hôtel pour m'avoir offert le petit déjeuner, vraiment trop trop gentil. Donc, je vous rappelle, hein, c'est l'hôtel Terre-Neuve à Paris. Bon, j'ai fini de prendre mon petit déjeuner. Donc là, je me suis habillée et je m'en vais directement. Je vais prendre mon train, il doit être à peu près 11h moins le quart et mon train part à midi 30, voilà. Donc je ne suis pas en retard, je préfère partir avant, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Hop, allez, c'est parti. Donc je ne vais pas pouvoir vous prendre pendant le trajet, j'évite de filmer maintenant quand je suis à Paris, que ce soit dans les transports en commun et tout ça, je ne préfère pas. Voilà. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison, il est à peu près 18h. J'ai vu Kéliane, on est parti avec Sébastien le chercher à l'aéroclub. J'ai récupéré Warren et on est rentré tranquillement. Clément est à la gymnastique et papy et mamie sont partis le chercher. Donc je vais le voir tout à l'heure. Et donc voilà, il était content de me voir. Ah mon chéri, est-ce que tu montres ta chambre et tout ce que tu as mis par terre? Bah oui. Les Playmobil qui étaient dans cette boîte bleue. Et il a renversé la boîte. N'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Bon, bah c'est très rare. Warren regarde un petit dessin animé Peppa Pig. C'est bien Peppa Pig? Oui? Hein? Il est captivé, tellement qu'il n'a pas l'habitude. Ah, je crois que Clément arrive. Il me semble avoir entendu papy et mamie. Ah. Ah ah. Coucou. Maman.
Ça va? Oui, je mange. Qu'est-ce que tu fais? Dans la salle de gymnastique, où j'avais créé une équipe de foot. D'accord. Ça a été la gymnastique? Oui. Oui. Très gentil. C'est bien passé la gymnastique? Oui. Et toi, dans l'équipe, tu es la blogueuse et tu filmes le match. Ah bon, d'accord. Oui. Okay. Bon, nous étions en train de terminer le montage d'une vidéo à Sébastien, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Il est déjà 12h30. Oui. Il est temps qu'on aille se coucher, clairement. Moi, j'en peux plus, je suis crevée. C'était très cool cette escapade à Paris, mais franchement, c'est fatigant. Donc du coup je préfère aller me reposer, au moins j'ai besoin au moins de 6 heures de sommeil. Donc, voilà, sachant que demain on se lève à 6h30 du matin, oui. Ça va être un peu dur. Donc on va aller se coucher, on terminera demain, c'est pas grave. Et puis voilà, on va conclure là-dessus. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye. Ciao. My heart is beating to the